Le piano des bois, c'est un livre de Kazuo Iwamura. Ce livre est publié aux éditions L'École des loisirs. Voici mon piano, dit Yuki. C'est un piano des bois. Do, 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 ré, mi, ré. Venez vite, petits amis de la forêt, je vais jouer pour vous. Do, mi, ré, ré, do. La souris est curieuse. L'écureuil a l'oreille fine. Ils viennent écouter Yuki jouer au clair de la lune. Tandis que les doigts de Yuki frappent sur les touches, le raton laveur, l'ami oiseau et l'ami lapin s'approchent sans un bruit. Mais à peine arrivés, les voilà repartis. « Que se passe-t-il ? » demande Yuki. « Vous n'aimez pas ma musique ?» La souris revient. Elle court et elle dit « Si, si, j'aime beaucoup ta musique. Je vais jouer avec toi. » Et la souris joue sur son violoncelle des bois. « Attendez-moi !» dit l'écureuil. « J'apporte mon trombone !» « Je viens aussi !» dit le lapin. « Attendez-moi !» dit le raton laveur. « J'apporte mon tambour !» Là, 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 poum, 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 ding, dong, boum, boum, boum. L'orchestre accorde ses instruments. « Dépêchez-vous, les chanteurs, on vous attend !» Le chef d'orchestre lève son bâton. « Prêt ? Écoutez tous le grand concert des bois !» Les musiciens saluent. Ils ont fini de jouer. « Bravo ! Bravo ! C'était magnifique !»« Merci !» dit Yuki. « Si ça vous a plu, nous reviendrons demain !» Le bruit s'est enfui et le livre est fini. Au revoir les petits amis. Alors, tu t'es bien amusé? Si tu veux écouter de nouvelles histoires, n'hésite pas à t'abonner. Il te suffit d'appuyer en bas de l'écran, à droite. Tu as vu? Allez, à bientôt.